Et nous commençons tout de suite avec un bilan du Climate Finance Day qui se tenait hier à Paris. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Deo. Bonjour Thierry Deo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes président de Finance for Tomorrow, CEO de Meridiam. Donc hier se tenait le Climate Finance Day. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Thierry Deo Alors d'abord, ce Climate Finance Day, c'est un Climate Finance Day euh, charnière. Parce qu'on est à mi-chemin entre la COP 21 et les objectifs de 2030, l'agenda 2030. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'essayer de susciter une accélération en parlant surtout des solutions. Je crois que les problèmes sont identifiés. Bien euh, sûr, oui. Les outils de mesure à peu près, notamment l'observatoire de la finance durable euh, y contribue beaucoup. Et donc, c'était les solutions et les talents qu'il faut pour développer ces solutions. Voilà. Et alors les solutions, euh, elles ont été identifiées, elles ont été euh, débattues. Alors, elles ont été débattues, et puis c'était aussi l'occasion pour certains d'apporter enfin de partager finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mm -hmm. euh, notamment euh, sur l'impact. Euh, Finance, fortement, a été beaucoup impliqué dans les deux dernières années pour une définition de l'impact des grilles de lecture, des grilles d'évaluation. Et donc, il euh, y a des gens qui ont partagé cela. Il euh, y a aussi des gens qui ont partagé euh, leurs idées sur comment on fabrique finalement le capital humain nécessaire à cette transformation de l'économie. Donc un sujet euh, de formation Un sujet oui. de formation euh, très très important. Ah, c'est vrai qu'il suffit pas forcément de dire qu'on fait de l'ESG ou qu'on investit en ESG, encore faut-il aller savoir aller quoi vérifier au sein des entreprises Tout à fait. Donc euh, ça demande un peu de formation, mais un peu plus qu un peu. D'accord, ouais. beaucoup <laughs> de formation, oui, c'est ça. <laughs> euh, non, alors il y a déjà eu des débuts. Hein. Depuis des années, euh, l'AMF introduit dans ses questionnaires de certification euh, les sujets de finance durable, mais il faut aller plus loin. Donc euh, c'est aussi ce que fait avec des partenariats, avec des universités, des écoles, pour justement susciter... Euh, cette compréhension euh, de, de la finance durable euh, dans, tout, dans tous les métiers. Finalement. Alors même qu'on est au niveau européen dans un cadre réglementaire qui n'est pas encore complètement défini, donc c'est une formation un peu continue qu'il faut, qu faut mettre en place. Alors il n'est pas complètement défini, mais. Euh, mais il a avancé, c'est sûr qu'il a avancé. Est... <laughs> Alors si on voit la, la directive SFDR, c'est déjà quand même une avancée certaine, et puis quand on voit. Qu'aujourd'hui, si on parle des particuliers hein, qui investissent, euh, aujourd'hui on est à plus de 1000 milliards d'intérêts dans l'investissement responsable qui pourrait se qualifier de SFDR 8, bien 8. Sûr, oui. et, et donc on voit quand même qu'il y a un engouement et que la machine est bien lancée et est assez irréversible. Euh, donc il y a un, un sujet euh, formation euh, parmi les autres, euh, euh, bah, les thèmes abordés ou les annonces qui ont été faites, qu'est-ce qu'il faut retenir. J'avais noté notamment, et on en a parlé dans cette émission, qu'il y avait une table ronde autour de la biodiversité en, en, en anticipation de la COP15 qui va se tenir à Montréal. Voilà, alors, la biodiversité, alors j'en profite pour saluer nos amis de Montréal parce que nous Qui avons sont venus par... à Paris, bien sûr, ils oui. sont venus à Paris parce que nous avons un partenariat avec Finance Montréal depuis le début de l'année pour justement promouvoir ces solutions. Alors, la biodiversité, bah justement, Finance Forte Moro a, a suscité l'organisation d'un groupe de réflexion. Euh, sur la TNFD, hein, qui est donc euh, un peu euh, la partie euh, Natural uh, Solutions de, euh, du sujet, et donc la biodiversité. Et, et ça, c'est un sujet qui est quand même intrinsèquement lié au sujet climat. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris que quand on parlait climat, il fallait aussi parler social et biodiversité, on peut rater la marche. D'accord. Et donc du coup, il faut intégrer tous ces sujets, mais ça veut dire encore plus de complexité dans des choix d'investissement quand on est professionnel de la finance. Plus de complexité, c'est pour ça que notre rôle, c'est aussi de pousser à la transparence, notamment la transparence des données, la transparence ouais. des méthodologies pour analyser ces données et être capable de prendre des décisions sans faire de greenwashing et en sachant vraiment dans quoi on investit. Alors, euh, ça a été l'occasion également, ce Climate Finanzi, de la publication de l'Observatoire de la finance durable. Donc, il est publié euh, tous les ans. L'idée, c'est de regarder un petit peu le, le positionnement de la place de Paris en matière de finance durable. Bon, j'ai les chiffres sous les yeux, on ne va pas tous les donner il y en a beaucoup. Mais euh, globalement, s'il y a un, un enseignement à retenir de cet Observatoire de la finance durable pour cette année 2022, ce serait lequel, euh, Thierry Déo Alors, d'abord, c'est un pari réussi de la transparence. Et du travail en commun de toutes les fédérations professionnelles, et ça c'est important parce que finalement les acteurs de la place de Paris sont quasiment tous les acteurs majeurs donnent leurs données à cet observatoire. Euh, Publient leurs engagements et ensuite on fait euh, euh, des données agrégées pour expliquer où avance la place de Paris et ça pour répondre euh, à l'article 2 finalement euh, de l'accord de Paris qui est ouais. de de faire bouger euh, les milliards de, de millions euh, vers euh, la finance durable d'accord oui et donc ça on est on essaie de voir le mouvement de masse et je peux euh, confirmer quand même avec les chiffres que ce soit pour euh, la sortie des énergies fossiles même si il faut toujours faire mieux. Hein, je ne vais pas dire que c'est totalement fait. Sûr. Oui, oui, cas, non, il y a des progrès. Chaque année, on mesure ces progrès. On peut juger qu'ils ne sont pas suffisants, mais en tout cas, ils sont substantiels. On peut mesurer aussi les progrès dans les investissements verts. En général, on est d'année en année sur plus de 30 Et on parle quand même de dizaines de milliards par rapport à ce que gèrent les acteurs français. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, même s'il faut rester exigeant pour que ça s'accélère plutôt que la pente reste la même. Voilà. Euh, alors, effectivement, euh, l'idée, c'est de réunir un petit peu toute la place financière parisienne. Euh, on entend souvent, euh, que ce soit sur le sujet financier ou autre, d'ailleurs, que ça ne va pas assez vite. Euh, justement, cette année charnière pour le Climate Finance Day, euh, du, du fait des échanges que vous avez pu avoir avec euh, les euh, professionnels que vous avez rencontrés, euh, vous trouvez, vous, que ça ne va pas assez vite ou au contraire qu'il y a toute une transformation qui est en marche qu'on n'identifie pas forcément Moi, je crois qu'il y a une vraie transformation en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus. Euh discuter comme une nécessité voilà c'est les faits sont là euh, tout le monde a mis des moyens ah, y compris ceux qui sont le plus critiqués, comme la BNP, qui met des centaines de personnes sur ces sujets dans son institution pour y travailler. Donc, mais ça ne peut pas se faire de façon immédiate parce que ce sont des sujets complexes. Comme je dis, la donnée est souvent complexe à traiter. Alors, ce n'est pas une excuse, hein. c'est que bah, le, en fait... le train est parti, mais il faut qu'il prenne de l'élan et de l'accélération. Bah, vous parlez de la donnée complexe à traiter. Ce que j'entends souvent dans l'émission, c'est que que parfois, elle est complexe même à récupérer. Et, euh, et à que, donc en fait, on se base finalement sur des dires plutôt que sur des actes pour investir dans telle ou telle entreprise puisqu'on n'a pas la donnée pour vérifier que, que c'est voilà, tenu. C'est pour ça que le, le dialogue entre les entreprises et euh, la finance est essentiel parce que la finance est là pour aider les entreprises à transformer notre économie finalement. C'est un dialogue. On a eu par exemple euh, en juin un colloque avec l'EPE, Entreprise pour l'Environnement et Finance for Tomorrow, autour de la biodiversité mm -hmm. pour, pour déjà partager la vision commune qu'on pouvait développer euh, ensemble. D'accord, ouais. on n'avait pas forcément la même. <rire> <rire> et ensuite, justement, faciliter cet échange de données euh, qui permettent aux entreprises à la fois de comprendre où aller dans leur transformation et à la finance de les aider Aller dans cette transformation. Alors, on a mentionné hein, tout à l'heure effectivement une délégation qui venait de Montréal, euh, donc euh, au Climate Finance Day. On a reçu effectivement le président de cette fondation dans l'émission, enfin de cette, euh, dans, dans euh, de cette euh, délégation, pardon, euh, dans, dans, dans l'émission, avec cette idée qu'il y avait un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les, mêmes, les choses de la même façon de part et d'autre de l'Atlantique, mais il y a une idée d'échanger les meilleures idées de part et d'autre, c'est ça Tout à fait. Et puis, ça permet aussi euh, de développer. Alors, c'est idéalement si on a les, les mêmes méthodes à terme pour voir les choses, c'est quand même mieux parce qu'on sait que les flux financiers, ils ne restent pas sur le territoire français, ils Bien circulent, sûr. Oui. ils circulent et ils circulent beaucoup. On est quand même sur des flux assez mondialisés et c'est quand même mieux si on essaie de voir les choses de la même façon à terme avec les places financières. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le coup. Je ne sais pas les Non, mais les principes euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas éloignés. Les régulations sont les, les, les règles et les normes imposées par les États. Euh, C'est vrai que l'Union européenne et la France sont très en avance euh, par rapport euh, à certains autres pays, mais euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas rattraper. Alors, autre sujet, hein, j'en profite, vu on parle du Climate Finance Day et que ça fait partie des sujets d'ailleurs qui, euh, qui, qui ont été traités lors de l'événement. Lors de euh, la COP27 va s'ouvrir à Charmel-Cher. Euh, et il euh, y, euh, y, a, y a un sujet qui revient quand même, ce qui est celui de ce qu'on appelle la finance climat, et notamment euh, des, des compensations financières données par les pays dits du Nord aux pays dits du Sud, euh, qui sont très exposés aux effets du réchauffement climatique. Euh, on parle de 100 milliards de dollars par an promis à ces pays-là, et on se rend compte que bah, les pays dits du nord ont du mal à les trouver pour ensuite les donner aux, aux pays dits du sud. Comment, où, où est-ce que ça bloque selon vous Alors, c'est pas, pas vous, hein, mais où est-ce que ça bloque selon vous en tant qu'observateur <laughs> du sujet non, mais Il y a, il y a deux, deux obstacles majeurs en fait à, à, ce, à ce transfert. Euh, L'un, c'est que. Bon, faut être franc, les promesses ne sont pas toujours tenues. De ce <laughs> côté-là, la France tient bien ses promesses, mais les autres, pas forcément. Bien sûr. Ouais. Euh, de l'autre côté, il y, a une vraie capacité, euh, il y a une vraie incapacité à consommer ce qui est, euh, ce qui est vraiment délivré, parce qu'on le sait, les investissements dans ces pays du sud, des fois ont d'autres obstacles comme le droit des affaires, comme parce que c'est pas que de l'investissement public, hein. c'est de l'investissement à la fois public. Et bah justement, c'est de l'investissement et... dans quoi euh, concrètement bah, parce qu On parle de compenser les effets néfastes du réchauffement oui, bah climatique. Ça peut être des investissements dans des dans des, invest... dans des actifs verts, oui. dans l'énergie renouvelable par exemple, mais aussi dans de la mobilité propre, enfin de tous ceux dont ils ont besoin, mais délivrer de façon euh, euh, soutenable, d'accord, au sens oui. euh, climat. Voilà, et, et donc euh, c'est aussi aider leur développement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on parle climat, mais l'accord de Paris et l'agenda 2030, c'est aussi les objectifs de développement durable dans leur ensemble. Bien sûr, Il y a oui. aussi euh, des objectifs sociaux, d'autres objectifs environnementaux, la biodiversité, et donc tout ça euh, a besoin d'être financé. Et donc euh, d'un côté, vous avez une capacité d'absorption parce que ce sont des projets souvent complexes à monter qui est pas suffisante, et puis de l'autre, des gens qui ont fait des promesses et qui peut-être ne les tiennent pas suffisamment. Voilà. Donc, on n'y est pas en 2022, on peut espérer y être en 2023. Bah, tout, tout le monde essaie d'y travailler. Alors, je, je voudrais aussi peut-être mentionner cette initiative de Fast Infra que la place de paris va accueillir qui est autour de l'infrastructure durable et c'est l'idée d'avoir un label pour faciliter justement des investissements massifs dans les infrastructures durables et notamment dans les pays émergents. donc vraiment pour essayer de bouger les milliards en simplifiant et en, 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 disons, en traduisant les bons effets finalement de ces investissements auprès des investisseurs pour qu'ils puissent investir plus facilement. Euh, pour conclure, Thierry Déo, Donc, le Climate Finance Day s'est terminé hier. Il y a un agenda chargé en termes de rendez-vous. Donc, on a évoqué la COP 15, la COP 27, le Climate Finance Day de l'année prochaine. Euh, pour conclure, on va se tourner vers l'avenir. Qu qui... Quelles sont les perspectives de la finance durable à un an, euh, selon vous, sur la place de marché parisienne hein, J'entends, euh, mais euh, qu'est-ce qu'on va voir évoluer à court terme bon. L'enjeu de la finance durable, c'est de devenir la finance tout court. Disons-le, ouais, c'est ça. <laughs> voilà. Donc l'enjeu est majeur. Euh, on n'avance pas à pas et donc on espère qu'on ira deux fois plus vite l'année prochaine que cette année. Euh, mais voilà, il faut, il faut compter ses points et les points positifs euh, et compter dessus pour avancer. Mais l'enjeu, c'est vraiment de devenir euh, la finance mainstream, si on peut dire. Voilà. Merci beaucoup Thierry Déo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Finance for Tomorrow et CEO de Meridiam. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.